Alors, bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo qui veut vous expliquer un peu l'importance de la page du projet. Alors, lorsqu'on arrive sur un projet avec un lien, on arrive sur une page comme celle-ci. Alors, on voit ici à gauche la scène. Et si on voulait la présenter aux élèves, ça peut être une bonne idée lorsque on veut leur faire comprendre l'intention du programme, mais on peut la mettre en plus gros avec cette petite flèche. Par la suite, dans le fond, on donne les informations ici à droite dans les instructions. La plupart du temps, les programmes commencent lorsqu'on appuie sur le drapeau vert. Mais si jamais la façon de commencer le jeu, l'activité n'est pas par le drapeau, ça peut être une bonne idée de l'indiquer. On peut indiquer aussi dans les instructions d'autres informations pertinentes. Par exemple, dans mon cas ici, je dis que parfois le résultat du montant réduit arrive seulement avec un chiffre après la virgule. Donc, et je dis que ça suppose que c'est 22 et 50. Je note aussi pour les élèves qu'en programmation, on utilise souvent on doit utiliser le point à la place de la virgule. Alors, comme ce n'est pas conforme avec ce qu'on enseigne dans notre programme et la réalité, mais je trouve que c'est important de le faire. Si on veut remercier le contributeur, si on a pris des images libres de droit, ça peut être ici où on va l'informer. Donc, si on a d'autres remerciements et si on a des commentaires à faire à l'auteur, comme moi, vous voyez que j'ai utilisé un programme que Stéphanie avait déjà fait. Alors, si on voyait quelque chose qu'on voulait que la personne corrige dans l'original, donc dans un but d'un commentaire constructif, on va le publier ici. Et à ce moment-là, ben, la personne va recevoir une notification. Puis il y a des chances qu'elle change son programme. Donc, je pense que c'est de façon très constructive dans un but de partage et d'amélioration continue. Alors, je vous invite à utiliser cette page et à donner à vos élèves des consignes pour qu'ils soient capables de réaliser le programme. Alors, je vous souhaite une bonne expérimentation.